za kucha Waki buwana zaone zana Azama iwe mtini Rakati wanee Wamekwisha kwa mataifa Tangojia isi raeni ibada yetu ya jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Commençons le culte de ce soir au nom de Jésus-Christ. Tunashimama na usomi wa neno la Bwana. Nous tenons debout avec la lecture de la parole du Seigneur. Katika kitabu ya Nabii Isaya. Dans le livre du prophète Isaïe. Sura makumi tano na tano. Chapitre 55. Nabii Isaya makumi tano na tano. Isaïe 55. Tangia versi ya kumi. À partir du 10e verset. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Maana kama vile mvua inavyoshuka na zeluji kutoka mbinguni na hairudi kule lakini inakunyesha udongo na kuzalisha na kuchipuza umupe mpandaji mbegu na mkulaji chakula. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ndivyo litakavyo kuwa neno langu linalotoka kwa kinywa changu, halitarudi bure lakini litafanya ambalo linanipendeza. Litasitawi katika yale ambao nililituma. Nina kupenda Bwana Yesu wanisikia niomba wanipa jibu la maombi napata yote kwako uliyo ya ahidi
hata yote kwako. Mungu baba yetu, Dieu notre père, kwa jina la mwana wako Yesu Kristo, dans le nom de ton fils Jésus Christ, tunakuja tena mbele za uso wako. Nous venons encore une fois devant ta face. Ukubali kila nafsi hapa chini ya damu ya mwana wako. Agree chaque âme ici sous le sang de ton fils. Na mkono wako wa baraka. Et que ta main de bénédiction. Uongeze tena kuinyosha juu yetu. Et tu puisses encore une fois l'étendre sur nous. Tupate tena kuona utukufu wako magharibi ya leo. Encore une fois, voir ta gloire ce soir. Tutoke hapa na maisha yetu imekusogelea tena zaidi. Nous sortons d'ici avec nos vies qui se sont rapprochées davantage de toi. Bariki taifa lako baba. Bénis ton peuple père. Jibia kwa kila hitaji ndani ya mioyo yao. Réponds à chaque requête dans leur cœur. Mkutano yote tunaitolea kwa mikono yako. L'ensemble nous la remettons entre tes mains. Uanze pamoja nasi. Commence avec nous. Na umalize pamoja. Et termine ensemble avec nous. Roho yako ichukue fasi ya kwanza. Que ton esprit puisse prendre la première place. Na iongoze yote. Et qu'il conduise toutes choses. Kwa sifa na utukufu wako. Pour la gloire et ton honneur. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Numéro 140. Tutamwimbia Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ukichukuliwa na mashaka yako na kuona hofu kwa mawi na kwamba uweza kumibaraka yake Mungu, na utashanga kwa rema ya heli uweza kumibaraka I'm not afraid of the dark.
Tchau, tchau.
Mara tena tunawasalimu ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo. Encore une fois nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tunashukuru wenye alituandikia juu ya msimamo yetu. Nous sommes reconnaissants pour ceux-là qui nous ont écrit au sujet de notre position. Et naomba kutuvumilia sana. Il faudra chaque fois nous supporter. Na kama kuna kuwa kosa mnatusaidia kutuambia pia. Et s'il y a une erreur, aidez-nous à nous en parler. Sababu ina tofauti kubwa. Parce que cela a une grande différence. Mtu mwenye anaweza kusimama mbele ya watu 50. Celui qui peut se tenir devant 500 personnes. 50 personnes. Mwenye anaweza kusimama mbele ya watu 100. Celui qui peut se tenir devant 100 personnes. Na mwenye unaweza kusimama mbele ya watu zaidi ya 1000. Celui qui peut se tenir devant plus de 1000 personnes. Hali inaweza kuwa tofauti. Alors ça peut se différer. Et na ninaamini kweli kama Mungu atanisaidia sitaongeza tena kuona nyuma na mbele. Et je crois que Dieu va m'aider, je ne vais plus regarder ni en arrière ni devant. Kusudi kila mtu apate kufaidika sehemu yenye Mungu ametupatia. Pour que chacun de nous puisse profiter de la partie que Dieu nous a accordée. Lengo yangu na lengo yako. Mon but est le tien. Lengo yangu ni kwamba chenye Mungu alinipatia nikiwapatie chote. Mon but est que ce que Dieu m'a donné que je puisse également vous le transmettre. Na lengo yako pia ni wakati unapenda zenye Mungu atasema vyote na wewe uvisikie. C'est que tout ce que Dieu va dire que tu puisses aussi l'écouter. Bwana Mungu atusaidie. Que le Seigneur Dieu nous aide. Abariki mchungaji kwa kutupa nafasi. Le pasteur pour nous avoir accordé la place. Tutasoma ile nafasi ce matin. Là nous avons lu encore une fois. Matendo ya mitume, Acte des apôtres, 3 mustari. Tutasoma sasa mustari wa 6. Nous allons lire maintenant le 6e verset. Kusudi sababu tulisoma ile jana, parce que on a lu cela hier. Si faida tena kuisoma yote tena leo. Il est plus important de tout lire aujourd'hui. Ndugu atasoma mustari wa 6. Nous lisons le 6e verset. Lakini Petro akasema, sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ninakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama utembee. Tutaomba, nous allons prier. Ndugu Elize kuomba juu ya neno. Nous demander à frère Elize de prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, Créateur du ciel et la terre, Muumbaji wa mbingu na nchi, nous venons à toi, tunakuja kwako, avec action de grâce, pamoja na shukrani, croyant que ce jour est un jour que tu as fait pour nous. Tukiamini ya kwamba siku ya leo ni siku ambayo ulifanya kwa ajili yetu. Seigneur, tu as conduit les pas de tes enfants ici afin de pouvoir nous parler. Uliongoza hatua za watoto wako mahali hapa ili upate kuzungumzia. Et nous sommes dans la joie d'être en ta présence, Seigneur. Na tunakuwa na furaha kuwa katika uwepo wako e Bwana. Mais avant toute chose, Père Saint. Lakini mbele ya mambo yote e Baba Mtakatifu. Regarde-nous sous le sang de ton fils Jésus-Christ. Utazame chini ya damu ya mwana wako Yesu Kristo. Afin de pouvoir purifier tout manquement et pardonner tout péché. Upate kusafisha kila ukosefu wote na kusamehe dhambi yote. En nous regardant sous le sang de ton fils Jésus-Christ. Utazame chini ya damu ya mwana Yesu Kristo. Tu vas nous agréer comme tes propres enfants. Utatukubali kama vile wana wako Yesu. Car nous croyons que nous sommes nés de toi. Kwa maana tunaamini ya kwamba tulizaliwa kutoka kwako. Ici de toi. Tumetoka ndani yako. Appelé par toi. Tumeitwa na wewe. Préparé par toi. Tumeandaliwa na wewe. Croyant que ce que tu as commencé à chacun de nous, tu es fidèle pour l'achever. Tukiamini ya kwamba ile uliyeanza ndani ya kila mmoja wetu na kuwa mwaminifu kwa ajili ya kuweza kumaliza. Seigneur, rends-nous capables d'être attentifs à ce que tu vas nous dire. Bwana tufanye kuwa na uwezo wa kuweza kuwa makini kwa kile ambacho tutazungumzia. Que ton action soit sur chacun de nous. Na upako yako ipate kuwa juu ya kila mmoja wetu. Sur l'instrument que tu vas utiliser. Kuanzia chombo utakachotumia. Brille sa langue. Chukua ndimi yake. Brille sa langue. Unguza ndimi yake. Circoncis ses lèvres. Na utahiri midomo yake. Circoncis également nos oreilles. Utahiri pia masikio yetu. Afin d'entendre ce que l'esprit dit à l'église aujourd'hui. Ili tupate kusikia kile ambacho Roho anaambia kanisa kwa siku ya leo. Te vise à la fin manifeste ta présence. Mwanzo hadi mwisho uzihirishe uwepo wako. Et permets-nous de nous réjouir. Na uturuhusu tupate kufurahi. Car tu nous aimes.
kwa kuwa unatupenda. Seigneur, bénis ton peuple. Bwana, bariki watu wako. Et sois avec nous jusqu'à la fin. Na uwe pamoja nasi mpaka mwisho. Nous t'envoyons ainsi avec action de grâce. Tumekuomba hivi pamoja na shukrani. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Notre Seigneur et Sauveur. Bwana wetu na mwokozi wetu. Amen. 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 Bwana Mungu tena atubariki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse encore une fois. Jana tulianza sehemu nzuri tena na nguvu sana. Hier nous avons abordé une bonne partie encore une partie difficile. Sababu ni mahubiri yenye iko makali sana. Parce qu'il s'agit d'une prédication sévère. Niliposoma kitabu hiki tena kwa usiku na mchana. J'ai relu ce livre la nuit et, et la journée. Nilikutana mahubiri ya nabii William Mario Branham. J'ai trouvé là-bas la prédication des frères Branham. Aliyahubiri kumwaka makumi sita na tatu. Il a prêché en 1963. Wakati saa zake za kurudi zilikuwa zinakaribia. Lorsque son heure pour rentrer était déjà proche. Mahubiri nasema je maisha yako yanafanana na injili. La prédication dit ceci: ta vie est-elle digne de l'évangile? Maisha yako, maisha yangu yanafanana na injili. Ma vie est-elle digne de l'évangile? Nabii wa kizazi anasema. Le prophète de l'âge dit. Wakati Mungu aliumba vitu vyote vya ulimwengu. Lorsque Dieu a créé toutes choses sur la terre. Aliweka maisha tofauti na kila kitu, hakuna kitu kinakutanisha maisha na kingine. Il a placé des vies différentes dans chaque chose et chaque chose n'est en rapport en rien à pour, dans toute chose par rapport à la vie. Vitu vinaweza kuwa vinafanana. Les choses peuvent se ressembler. Lakini maisha ya kila kitu inakuwa tofauti na ingine. Mais la vie de chaque chose est différente de celle de l'autre. Ngombe inafanana na mbogo. Et la vache ou le veau ressemble au bœuf. Au bifle. Lakini maisha ya mbogo ni tofauti kabisa na ya ngombe. Mais la vie du bifle est différente du veau de la vache. Kama ni kweli ni amina. Si cela est la vérité, alors c'est amen. Kuku inafanana na kwale. La poule est ressemble au perdri. Lakini maisha ya kwale. Mais la vie du perdri ni tofauti na maisha ya kuku. Est différente de celle de la poule. Japokuwa ukiviweka karibu uwanjani pamoja. Alors que si vous le placez dans la cour ensemble, unaweza kufananisha kama vinafanana. Vous pouvez penser que ça se ressemble. Lakini utajua utafauti ndani ya maisha ya kila kimoja. Mais vous reconnaîtrez la différence à travers la vie de chacun. Alléluia. Amen. Sisi kanisa yetu inafanana na makanisa zingine. Nous, notre église ressemble à d'autres églises. Wakati tunakuja hapa waimbaji wetu si tofauti na waimbaji wa makanisa zingine. Et quand vous arrivez ici, vous trouvez que nos choristes ne sont pas différents de ceux des autres églises. Tofauti iko mule katikati. Mais la différence est là au milieu. Alléluia. Amen. Na ndio maana kuko wa Kristo wa protestant. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens protestants. Kuko wa Kristo wa catholique. Il y a des chrétiens catholiques. Kuko wa Kristo wa pentecôtiste. Il y a aussi des chrétiens pentecôtistes. Kuko wa Kristo wa anglican. Il y a aussi des chrétiens anglicans. Wote ni wa Kristo. Tous ce sont des chrétiens. Kanisa zinafanana. Les églises se ressemblent. Watu wanaweza kufanana. Les gens peuvent se ressembler. Lakini maisha ni tofauti. Mais la vie c'est différent. Ni lazima tuone kama maisha ni tofauti. Il faut que nous arrivions à voir si la vie est différente. Ndio maana kuko pia wa Kristo wa Kristo. Et aussi c'est pourquoi il y a des chrétiens chrétiens réellement. Wakati kuna kwa wa Kristo wa pentecôtiste. Et quand il y a des chrétiens pentecôtistes. Kuna kwa wa Kristo wa catholique. Et qu'il y a des chrétiens catholiques. Kuna kwa wa Kristo wa pentecôtiste. Il y a aussi des chrétiens pentecôtistes. Kuna wa Kristo wa Kristo. Il y a aussi des chrétiens réellement chrétiens. Alors recevez la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. Et c'est pourquoi les prophètes de l'âge nous disent. Un homme a trouvé bon de pouvoir élever l'aigle. Il a trouvé que c'était bon de pouvoir élever l'aigle. Il a apporté l'œuf de l'aigle. Il a apporté aussi les œufs de la poule. La poule a vu que seulement les œufs. Il a trouvé que tous les œufs se ressemblaient. Alors la poule a éclos les œufs.
Et les poussins sont sortis et les grands aussi. Et tout en éclosant se ressemblait. Mais leur vie, c'était différent. Amen. Lorsque la poule caquette, les glands n'arrivent pas à écouter. La poule encore une fois caquette. Avançons. Les glands disent, mais qu'est-ce qu'elle dit? La poule dit, je vois un épervier venir. Ramper. Ramper. Taïnasema. Les glands disent, mais que signifie ramper? Wakati wengine wanalamper. Lorsque les autres rampent, Taïnasema, qu'est-ce qu'il y a? Les glands disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Maisha yake. Sa vie ikashindikana. Était rendue difficile. Et les glands a dit, quand même, ah, la mer est perdue. Il y a quelqu'un qui l'avait pris. Est-ce qu'on l'a déjà mangé? Ou c'est encore en vie? Alors la mer aigle a survolé. Elle a commencé à survoler. Elle a dit, elle a commencé à crier, mon enfant, où es-tu? Les aiglons ne peuvent pas vivre sur la terre. Notre nourriture, c'est la nourriture des aiglons. Et quand la poule a écouté la mère, elle a dit, mes poussins, allez, en bas, rampez, cachez-vous. Et quand les poussins sont cachés, l'aigle a dit, L'aiglon a été gardé par une autre mère. Mais quand la voix a appelé, l'aiglon a écouté le cri. Jésus dit, mes enfants, écoutent ma voix. Et moi, je connais leur nom. Et quand je les appelle, ils m'écoutent. Alléluia. Amen. Nous avons été gardés dans les dénominations. Nous avons vécu dans différentes dénominations. Certains parmi nous étaient des protestants. Les autres étaient des catholiques. D'autres étaient des pentecôtistes. D'autres étaient des musulmans. Oui. Partout là-bas, on parle de Dieu. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Bon, les musulmans ne sont pas des chrétiens. Certains disent qu'ils sont chrétiens pentecôtistes. D'autres disent qu'ils sont méthodistes. D'autres sont des catholiques. Les catholiques écouteront la voix du pentecôtiste. Le pentecôtiste écoutera la voix du pentecôtiste. Mais les enfants de Dieu écoutent la voix de Dieu. Et c'est pourquoi quand la voix sortez du milieu d'eux. Ça, c'est la voix de Dieu qui appelle. Elle dit, elle est tombée Babylone. Babylone. Elle est tombée, les dénominations tombent. Mes enfants, sortez. Celui qui sortira, c'est l'enfant de Dieu. Il faudra que lui puisse écouter la voix de Dieu. Et quand Dieu appelle, à la fin, l'aigle, l'aigle a dit, maman, je suis ici. Amen. Je suis dans l'esclavagisme. Et quand l'enfant a crié, la mère aigle a dit, mon enfant est ici. Où es-tu, mon enfant? Je suis là, j'ai été gardé par une mauvaise mère. Elle parle, je n'écoute pas. Et quand je parle, elle n'écoute pas. Et c'est pourquoi la vie de l'aigle, elle était différente de la vie de la poule. Mes frères et sœurs, ce message ici est très important. Mais c'est difficile de le prêcher. Ça va.
Parce que pour le prêcher, ce n'est pas facile. Mais comme la parole de Dieu a dit, nous ne pouvons pas refuser de parler de la vérité à cause de notre mauvaise vie. Parce que Dieu aime celui qui dit la vérité plus que celui qui cache la vérité à cause de sa mauvaise vie. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes venus en retard par rapport au moment où le message a commencé, lorsque nous considérons les différentes assemblées, très souvent, toutes ont commencé à cause d'une mauvaise vie. C'est un péché de commencer une église sur base de votre vie. Parce que ceux qui gâchent le message aujourd'hui, c'est la mauvaise vie. Bien plus des prédicateurs. Lorsque toi tu es prédicateur, tu sais que boire de l'alcool c'est mauvais. Mais parce que tu as la liberté sur la chair, et que tu es ivrogne, tu lis, il est écrit qu'il ne boive pas d'alcool. Mais toi tu l'aimes. Alors tu fonds ton église des buveurs d'alcool. Et tu soutiens cette église. Dieu te jugera. Amen. Amen. Et ceux qui aiment l'alcool et aussi te suivent. Ça c'est juste. Beaucoup parmi vous sont des témoins de la mauvaise vie. Les mauvaises vies ont commencé les églises. Si moi, Mbarushimana, je peux avoir une mauvaise vie, le prophète nous dit, dans chacun de nous, celui qui est né de la femme, même si tu acceptes Dieu, tu as de la place, tu es fort. Mais il y a aussi des places où tu es faible. Alors, ce que le prophète interdit ici, arrête de prêcher tes faiblesses et Dieu la chair. Tu refuses d'en parler. Mais tu soutiens cette mauvaise vie par des versets. Tu la soutiens par des citations. C'est là que la Bible dit, toi insensé, comment un aveugle conduira-t-il un aveugle? Dis la vérité et la vérité affranchira les enfants de Dieu. Mais si toi tu ne vas pas réussir à marcher dans cette vérité, toi dis leur la vérité, dis pour moi c'est des vérités, mais priez pour moi, mais après que tu as prêché la vérité. Amen. Tu as pris une dette auprès d'un frère, tu ne l'as pas payé. Frère, on y copie 100 dollars. Frère, prête-moi 100 dollars. On y copie 500 dollars. Prête-moi 500 dollars. Et après avoir bouffé les 500 dollars, alors tu ne parviens plus à payer. Je ne sais pas. Mes frères et sœurs. Frères et sœurs. La parole de Dieu dit, si tu donnes une dette, ne pensez pas qu'on vous paiera. Voleur que tu es. Paye la dette d'autrui. Demande pardon. Mais tu viens soutenir ton vol avec des versets. Quand on dit que l'emprunteur, c'est le voleur des dettes. À cause de ce embarrassement, là, ouais, ce qu'on a dénié. Tu vas dire embarrassement, tiens, oui, ma dette, oui. J'ai ta dette, oui. Mais malgré cela, si vous êtes soutenir les bouis, je ne peux pas soutenir le vol. Bonne bonne affaire, nous, à mon madin, qui se fait à travers les dettes. Non, Bible inasem. Non, la Bible dit. Daniel qui t'aboya kutoka. Dans le livre d'Exode. Daniel qui t'aboya wala. Dans le livre de Lévitique. Mon Dieu, mon Dieu, pas nadeni. Tu as dit si tu as une dette, je vais couper. N'attends pas que tu te payes. Souliers d'acuir, ma coupe est sous, n'ayez pas peur. Tu es allé voler parce que c'est qu'il y a un verset là-bas. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mutani samé. Vous allez m'excuser. Nous sommes dans le message. J'ai maisha yako. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Maisha ya simba. Parce que la vie du lion
Ni tofauti na maisha ya chui. C'est différent de la vie du léopard. Maisha ya tembo. La vie de l'éléphant. Tofauti. C'est différent. Na maisha ya kwale. De la vie du perdrix. Si munaitika ni amen. Est-ce que vous croyez que c'est amen? Wangapi wanaitika hili? Combien sont d'accord avec cela? Amen. Amen. Vinafanana. Ça se ressemble. Lakini maisha. Mais la vie. Ni tofauti. C'est différent. Maisha ya pasteur. La vie du pasteur. Maisha yangu mie mhubiri. Ma vie à moi prédicateur. Maisha yangu mie mkristo. Ma vie moi chrétien. C'est différent. Si si wahubiri. Nous prédicateurs. Si si sote tuko ba frère. Nous tous nous sommes des frères. Ni lazima maisha yetu. Mais il faut que notre vie. Ya siwe sawa sawa. Ne soit pas les mêmes. Mimi ni mhubiri. Ne doit pas être les mêmes. Moi je suis prédicateur. Wewe ni mkristo. Toi, tu es chrétien. Nous nous ressemblons. Mais notre vie, il faut que ça soit différent. Amen. Amen. Combien refusent cela qu'ils lèvent les doigts? Il manque quelqu'un qui refuse. Vous savez, la première chute. C'est lorsque nous nous sommes là. Hatujue kama Mungu alitupa maisha tofauti. Nous ne réalisons pas que Dieu nous a donné des vies différentes. Alléluia. Amen. Nanjo yenye inaleta ma problème. Et c'est cela qui maintenant qui suscite des problèmes. Mais ngoya niende hapa kwa maisha tofauti. Mais laissez-moi parler un peu ici de la vie différente. Na Biblia na mnatuambia mnajua anguko la Samson. Vous savez la chute de Samson? Anguko la Samson. La chute de Samson. Tuliona. Nous avons vu. Tusome ndani ya kitabu ya Waamuzi. Disons dans le livre de Lévitique. Des juges, Waamuzi, les juges. Kitabu cha Waamuzi. Le livre des juges. Kipande ya 16. Verset chapitre 16. Nabi Branham anatuambia. Le prophète Branham nous dit. Anguko la Samsoni lilianza pole 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 pole. La chute de Samson a commencé lentement, lentement, lentement. Na anguko lake la kwanza lilikuwa wapi? Et sa première chute, c'était où? Ni wakati alisahau kama yeye iko tofauti na watu wengine. C'est lorsqu'il a oublié qu'il était différent d'autres personnes. Mes frères et sœurs. Wandugu zangu na dada zangu. Sai mefika. Le temps est arrivé. Kila mtu awaze juu ya maisha yake. Où chacun doit penser sur sa vie. Na uyatafautishe na ya watu wengine. Et que tu la différencies des autres, de la vie des autres. Alléluia. Amen. Twende kwa maisha Samson. On va parler de la vie de Samson. Tusikie anguko lake la kwanza. Nous allons maintenant écouter si on parle de sa première chute. Lilikuwa wapi? C'était où? Ulishapata? Oui, je suis. Waamuzi. Waamuzi. 16. Waamuzi. Juge 16. Juge 16, 6. Juge 16, 6. Waamuzi. Ok. 16. 6. Verset 6. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Inasema hivi. Delila akamwambia Samsoni, uniambie ninakuomba, asili ya nguvu yako kubwa na namna gani unaweza kufungwa ili uteswe. Ngoja mimi nisome Kiswahili, wewe utafsiri Kifaransa. On va traduire en français. C'est vrai. Amen. Delila akamwambia Samsoni, uniambie ninakuomba, asiri ya yako kubwa na namna gani unaweza kufungwa ili uteswe. Delila dit à Samson, dis-moi je te prie d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Samsoni akamwambia, kama wakinifunga kwa kamba mbichi saba zisizo kauka bado, halafu nitakuwa zaifu. Mutire attention pale. Tire attention. Nami nitakuwa kama watu wengine. Amen. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme.
Est-ce que wangapi wako wanasoma? Combien sont en train de lire? Mutire attention pale chini. Tirez attention là en bas. Samson. Samson. Unataka kuanguka. Tu es au point de tomber. Delila hakuwa mujanja. Delila n'était pas rusée. Alikuwa wazi. Elle était claire. Ndani ya maisha yake. Dans sa vie. Delila alionesha claire. Delila s'est exprimée clairement. Yeye iko païen. Elle a montré comment elle était païenne. Alionyesha maisha yake wazi. Elle a montré sa vie clairement. Amen. Mais Samson yeye atakata kuchanga maisha ya Kikristo? Il a cherché à mélanger la vie chrétienne et la vie païenne. Non. Pourquoi tafauti? Il y a une différence. Amen. Il lui a demandé clairement. Dis-moi. Mutu anaweza kukufunga namna gani na akutese? Comment on peut te lier jusqu'à te dompter? Wangapi wanasikia hii? Combien écoute? Est-ce que huyu mtu siko clair? N'est-ce pas que cette femme ici est claire? Parce que Mungu anapendaga mtu mwenye iko clair. Parce que Dieu aime celui qui est clair. Comme on commise, quoi clair? Si tu es voleur, sois clair. Si tu es prostitué, sois clair. Si tu es ivrogne, sois clair. Delila, alikuwa. Delila était clair. Elle était claire. Répondez et dites qu'elle était claire. Amen. Samson akasema. Et Samson dit. Kama unanifunga na makamba saba. Si vous me liez avec sept cordes fraîches. Zamubichi lakini. Qui sont encore fraîches. Pale chini la mba sikia anguko. Écoutez la chute. Ninaweza kuwa sawa watu. Je peux devenir faible watu. Comme tout homme. Samson baba yangu. Samson mon vieux. Wewe Mungu alikumba uko prophète. Dieu t'a créé en tant que prophète. Uko na siri wa Mungu. Tu es un trésor de Dieu. Mungu alimuumba tofauti na wengine. Dieu l'a créé différemment des autres hommes. Alikuwa tofauti na wengine. Il était différent des autres. Aux yeux des hommes, mais il ressemblait à d'autres hommes, mais il était différent des autres. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Toi, tu es sœur là au marché. Tu es frère là au marché. Tu es frère là dans ta voiture. Mais sache que tu es différent. Amen. Là, il faut y être parce que tu es dit différent. Amen. Que tu es à l'école. Tu viens ici pour écouter le message. Tu es différent des autres enfants. Il faut que tu sois différent. Et que cela soit en tête. Nous devons savoir que nous sommes différents. Différents. Répétez, différents. Différents de tous les restes. Tu dois te sentir que tu es différent. Montre-leur que tu es différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi, Seigneur. Misaïdi et Boane. Maïcha neno hili. Que la vie de cette parole Yahweh yangu pia. Soit la mienne aussi. Parce que le temps est arrivé, mes frères. Prêchez disant que moi je suis prédicateur. Alors que tu n'as pas la vie de la prédication que tu donnes. Frère Barushimana, Frère Barushimana, j'aime la parole, mais je m'étonne de voir comment le pasteur Bumba n'a pas fait de moi un diacre. C'est pendant ces jours-ci qu'on a même établi les diacres, frère. C'est votre ami, frère. Mais si il rêve qu'on double, tu peux le lui dire à ma place. C'est bien, je peux en parler à Bulumba. Mais Bulumba ne veut pas établir un diacre. Bulumba ne veut pas établir un ministre. C'est votre vie. Amen. 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 Si par rapport à ta vie, Dieu avait dit que tu seras diacre ici, tu seras différent des autres. Amen. Amen. Et si Bulumba peut établir le diacre, ok, qu'il établisse aussi des prostituées. Hey. Qu'il mette aussi des voleurs. Est-ce qu'il réussira? Le prophète Branham dit, David avait une vie
que personne, au point que personne ne pouvait lui pointer du doigt à cause de cette vie. Alléluia. Amen. Amen. Il était créé roi, président. Sa vie, c'était différent des autres. Oui. Sa jalousie était différente de celle des autres. Alléluia. Amen. Même dans sa manière de garder les troupeaux, c'est pour vous écouter le frère Franck qui dit, j'avais le Saint-Esprit même quand j'étais dans les dénominations. Alléluia. Amen. Est-ce que je mens? N'est-ce pas que c'est Franck qui le dit? Moi j'avais le Saint-Esprit même quand j'étais dans les dénominations. Quand tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que même s'il était dans la dénomination, néanmoins la crainte de la parole était en lui. Amen. Je me souviens, dans l'ancien temps, j'étais protestant. Non. J'avais commencé dans l'église catholique. Mais malheureusement, Dieu ne m'avait pas accordé la chance d'être intelligent à l'école. Parce que s'il y avait 40 élèves dans la classe, moi j'étais le 39e. Donc là j'ai lutté. Alors il a fallu que je puisse faire 3 ans dans une classe. À la troisième, si je peux me forcer pour monter des classes, s'il y a 20 élèves qui vont monter, alors moi je suis le 20e. Et c'est comme ça que j'ai continué. Je suis arrivé jusqu'en 4e année primaire. Pendant que les autres étaient déjà en 6e année de secondaire. Pendant qu'on était celui qui arrivait en 6e année de secondaire, on lui faisait porter un chapeau. Et on apporte aux parents des présents. Moi, je suis encore en 4e année de secondaire. Mes collègues ont déjà leur diplôme. Et mon père était attristé. Et quand il m'a vu, il m'a fait gifler. Il m'a giflé ici. Et j'étais tombé à terre. Avec des pieds. Et ma mère est venue me relever. Comment tu peux tuer mon enfant? Diplôme. Et mon père qui dit, c'est ça aussi son diplôme. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. Quand on est arrivé à 4e primaire, pendant que mes camarades sont en 6e année secondaire, le père est venu. Il y a ici des gens qui étaient catholiques. Ah, bah, catholique. Les catholiques, oui, les anciens catholiques. Oui. Le chemin de la croix. On a commencé avec la première croix, nous avons péché les genoux. C'est pour mes péchés que tu es mort. Nous allons encore vers une autre croix. Voilà Jésus qui porte les croix. Le tombe à côté de vous, après que vous les voulez. Vous voulez même les crayons. J'ai senti que c'est de moi qu'on parlait. Oh, il est mort pour mes péchés. Et les enfants étaient contents. Moi, j'ai crié. J'ai pleuré. Et j'étais tombé à terre. Et les enfants ont dit, oh, Baruchimana est tombé, Baruchimana meurt. Et le prêtre, c'est le prêtre André. Il est venu m'a relevé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a enfant? J'ai dit, moi, je suis attristé. Cet homme ici, on dit qu'il est mort pour mes péchés. Et encore moi, je vole les bananes d'autrui. Mais c'est monsieur, lui n'est pas là quand je vole. C'est que je vous dis, ce n'est pas une histoire. Maintenant, on est en train de faire alors qu'il ne mange pas de ces bananes que je vole. Parce que moi, j'étais voleur des bananes.
gaillard kadogo. Et voyez, je suis un peu gaillard. Hein? Nilikuwa nasimama hivi kuchitika. Je me tenais comme ça. Je me tenais comme ça. L'autre monte. Wapiri anapanda. Le deuxième aussi monte. Et quand ils sont à trois, je concentre, Et je me tiens là. Wapiri anasimama. Watatu wanafika kuchitika. Il arrive là où il y a la banane. Et nous coupons le régime de banane. Maintenant, c'est lui qui est mort pour les péchés. Mon Dieu. Et le prêtre a dit. Les enfants disent, mais c'est un idiot. Mais on est en train de parler seulement de Jésus. Mais nous sommes en train de parler de Jésus. Moi, je sens un moquet, non, ça ne marche pas. Et le prêtre a dit. Cet enfant sera pasteur. Maintenant, lui dit qu'il sera pasteur. Alors, lui n'a pas dit que je serai pasteur, mais il a dit qu'il sera prêtre. Cet enfant sera un prêtre. Je ne me suis réveillé parce que j'ai écouté qu'il m'a dit quoi, je serai prêtre. Donc, quand ils sont en train de pleurer, le prêtre m'a dit, ne t'attriste pas, ce Jésus, il fera de toi un prêtre. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, je suis prêtre? Frère Franck, dit, j'avais le Saint-Esprit avant. Nelikuwa na Roho Mtakatifu mbele. Hata na wewe tukikupa ushuhuda. Mento sio tofauti na kesho. Kwa Mkristo sababu uko hapa. Tu n'es pas chrétien parce que tu es ici. Même quand tu étais là. Kuna je senti le capitre. Tu sentais en toi quelque chose. Alléluia. Amen. Votre vie était digne. Je maisha yako yanastahili injili. Amen. Samson. Uko unanisikia? Tu es en train de m'écouter. Iko hapa haiko hapa? Est-il ici ou non? Samson iko hapa? Est-ce que Samson est ici? Atie mkono juu. Qui lève la main? Mimi ni wa kwanza. Moi je suis le premier. Anguko lako. Ta chute. Joue leo. Sache aujourd'hui. Na kwaisa. Et maintenant même. Maisha yako ni tofauti na ya wewe. Que ta vie est différente de celle de beaucoup de gens. Frère Branham dit, Samson alikuwa tofauti na watu wengi. Samson était différent des autres personnes. Yeye peke. Lui seul. Ndio alipashwa beba milango ya Gaza. C'est lui qui devait porter les portes de Gaza. Wakati tunasikia milango ya Gaza. Lorsque nous écoutons parler de la porte de Gaza. Ou des portes de Gaza. Ne pensez pas que ça a été construit avec 40 sacs de ciment. Une partie c'est avec plus de 100 sacs de ciment, l'autre partie aussi plus de 100 sacs. Et un homme fait comme ça, il soulève, il porte tout. Pendant que tu n'es pas capable de soulever juste un sac de ciment. Lui, il était différent des autres. Différent des autres. Alléluia. Amen. Maintenant, il commence à dire, si vous m'aidez avec cette porte, je serai aussi comme les autres. Amen. Maintenant, le prophète dit, Daniel n'était pas comme les autres là à Babylone. Il était différent des autres. Parce que Dieu lui l'a créé. Même Elia. Même Elie. Alikuwa tofauti na manabii hapa. Il était différent des prophètes de Baal. Elie alikuwa tofauti. Elie était différent. Naye angetafuta kuwa sawa babo. Lui aussi pouvait chercher à être comme eux. Nabo angeanguka. Et lui aussi pourrait tomber. Frères et sœurs. Wakati unaitiwa mkristo. Lorsque tu es appelé chrétien. Wewe na mimi. Toi et moi. Kuna tofauti na watu wengi. Entre toi et moi, il y a l'indifférence entre nous et les autres. Nous sommes à Goma, mais nous ne sommes pas pareils aux gens de Goma. Identité est une des Congolais. Notre identité, c'est celle des Congolais. Mais nous sommes différents des Congolais. Amen. Amen. Message là où le message arrive aujourd'hui, il faut que toi et moi, ici à Goma, on ne peut plus se comporter comme les autres. Revenons même. Même dans ce message. Nous tous nous avons le message. Les tonneristes ont le message. Les Yashuamacha ont le message.
Les autres là-bas, tout ce que vous connaissez, ils ont un message. J'ai un message. Mais le non message. Ne dis pas que nous tous sommes les mêmes. Nous devons être différents de cette personne. Combien m'écoute? Amen. Ici dans cette brochure, le prophète dit, toi tu es seul. Tu dois t'habiller de la manière différente de cette femme. Parce que tu es une femme mais différente de celle-là. Tu ne peux pas t'habiller comme une femme protestante, comme les mamans anglicanes. Non. Il y a une différence. Et si tu ne sais pas cela, si tu veux être comme les autres, ça te regarde. Tu seras aussi comme Samson. Amen. Tafaouti. Différent. Alléluia. Amen. Et je crois que vous n'êtes pas encore fatigué. Vous savez ce qui a fait saisir Pierre? Petro. Pierre. Matthieu 17, verset 19. Disons, on va écouter. Pierre. Il s'était assis avec les autres personnes lors de la mort de Jésus-Christ. Il a essayé faisant tout son possible pour se présenter aussi comme païen. Mais, frère et frères, ça a été impossible. Nous allons vers 70 combien là? Bible Kinyarwanda, c'est différent d'ici. Et 27. Matthieu 27. Nataka pale wanamuliza. Ici on lui pose une question. 26. 70 combien? Matthieu 26, 73. Oui. Basi Petro alikuwa akiketi inje katika kiwanja kijakazi mmoja ni umu ni 26. 26-69 yangu ni 75 mukinye Rwanda. Alors tusome tusicheleweshe na vile. Basi Petro alikuwa akiketi inje katika kiwanja kizakazi mmoja akakuya kwake akasema, wewe ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya vile vile? Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Lakini akakana mbele yao wote akisema, sijue maneno unayoyasema. Mais il le nia devant tous disant, je ne sais ce que tu veux dire. Lakini akakana mbele ya wote akisema, sijue maneno. Na wakati 71. Na wakati alipotoka nje hata barazani, kijakazi mwingine akamwona, akamwambia, akawaambia wale waliokuwa pale, mutu huyu alikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti vile vile. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Akasema tena, akakana tena, na kiapo ati simujue mutu huyu. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Même si tu refuses, on va toujours t'attraper. Nyuma ya wakati kidogo, wali waliosimama pale wakakuja na kumwambia, Petro, hakika wewe ni mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako unakuonyesha. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Frère, mais si tu faufiles, on va t'attraper toujours. Ce que je vais vous montrer là-bas, sachez que nous sommes en train de parler de la parole qui dit, votre vie est-elle digne? Alléluia. Amen. Père,
Petro alikuwa mtu mwenye alishakamatiwa na parole de Dieu. Pierre était un homme qui était déjà saisi de la parole de Dieu. Na ile parole alikuwa naipenda. Et cette parole il l'aimait. Na ilikuwa ilishamuingia ndani. Et cette parole avait déjà pénétré. Mais sababu mtu iko na kupanda na kushuka. Parce que dans la vie de l'homme il y a le haut et le bas. Na alikatala na akakana. Et il a refusé la même nier. Il a dit moi. Bapimake kukugusa. Qu'on a seulement été touché. Na alidefendre maneno yake. Et il a défendu ses paroles. Mpaka alikatali sikio ya mtu. Jusqu'au point même il a coupé l'oreille d'une personne. Haiko mubandi. Ce n'était pas les banditismes ça. Alikuwa anagombania vérité. Il luttait pour la vérité. Parce que mtoto wa Mungu Petro. L'enfant de Dieu Pierre. Kuko ndugu mmoja alihubiri akasema Petro il était alikuwa bandi. Il y a un frère qui a prêché disant que Pierre était un bandit. C'est comme il avait coupé mais les oreilles de Pierre. Non, Pierre n'était pas bandit. Parce que Dieu ne voit pas ce que tu fais, mais il voit l'intention avec laquelle tu fais quelque chose. Alléluia. Amen. Quand même l'enfant de Dieu. Lorsqu'il écoute la parole, il faut qu'il aime son Seigneur et qu'il aime la parole. Siku moja nilikuwa kiwanja. Un jour j'étais à Kiwanja. Wa mizrima wakahubiri juu ya Antichrist. Et les musulmans ont prêché sur l'Antéchrist. Mimi kasema mara hiyo na mimi ninataka sikia vile wanahubiriaga Antéchrist. Alors j'ai dit en tout cas moi si je vais écouter comment s'ils prêchent sur l'Antéchrist. Ils ont pris l'enseignement de l'Antéchrist. Antéchrist. Je les suivais. Et vers la fin, ils vont arriver jusqu'à montrer que Paul. C'est lui qui écrit la Bible. Que c'est lui l'antéchrist. Mon Dieu. Moi je suis faible. Laissez-moi me défendre. Les versets qu'ils ont lus. C'est lui l'antéchrist. J'étais avec un frère appelé Lisboul. Et moi je me tenais là-bas. La police il croit pas le calibre. La police il croit pas. Lisboul a pas dit mais yo. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a dit pour tout qu'il engage. Je manque de l'arme. Jésus il a quoi ça pour nous? Je manque mon arme. Je cherchais à trouver la pierre pour jeter sur la personne. Ça, c'est quel insensé, quel idiot. Nous l'avons insulté, imbécile, idiot. J'ai écouté. En tout cas, ça m'a rongé quand je l'ai écouté. Qui est ce chrétien véritable qui peut être content quand on insulte son pasteur? Qu'on insulte tes prédicateurs? Non. 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 Parce que Jésus est seul. Parce que Jésus a dit. Aimez Dieu. Et ne m'oubliez pas non plus. Aimez Dieu, aimez-moi aussi. Tu ne vas pas dire que tu aimes Dieu pendant que tu refuses ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et Pierre était attristé. De voir qu'on venait d'arrêter Jésus. Il a pris maintenant l'épée. Jésus aide aussi. Laissez-les, je vais les exterminer. Jésus dit. Pierre. Rudisha. Remets ton épée dans son fourreau. Remets ton épée. Et Paul qui dit, ah non. Et tout cela le regardait. Ils disent, ni t'étais ce monsieur, c'est lui-ci allait nous exterminer ici. Nous devons lutter pour la parole. Et nous devons lutter aussi pour le ministère. Amen. J'ai un frère. Il m'avait apporté beaucoup de lettres comme ça ici. À peu près 5 lettres. 15 lettres, excusez. Il m'a demandé d'aller les distribuer à Rucho. Je lui ai dit, ce sont des lettres circulaires ou comment? Il m'a dit non. Hein? Soit donne seulement au destinataire. Mais ça c'est vrai. Je dis c'est vrai. Je les ai prises. Je les ai apportées avec moi. Mais
Pendant que j'ai parté, je dis, ce sont des lettres, c'est quoi? Je risque de m'attirer un problème sans le savoir. Et j'étais avec un prédicateur. Lui, il a pris sa lettre. Il l'a déchirée automatiquement. Et j'en ai profité aussi pour la lire. Des insultes, des insultes, des injures. Et je me suis tué. Ces lettres-là, je les ai encore. Ils viennent se passer maintenant 8 mois que je suis avec. Et arrivé à la maison, je les ai gardées. Tout ce qui m'appelle, qui me dit, mais est-ce que tu as donné les lettres? J'ai dit oui. Et on s'est rencontrés ici. Mais tu avais donné les lettres? J'ai dit oui. Mais je lui informe que je ne les avais pas données. Et à cette époque, si tu vas sous ma télévision, là à Kiwanja, vous ouvrez, tous ces papiers sont là. Les propriétés ne les ont pas encore eu et ne les auront jamais. N'est-ce pas que c'est lui qu'ils avaient écrit ici? Les frères. Tu ne peux pas insulter un serviteur de Dieu pendant que moi je continue encore à tu dois d'abord considérer que, constater que je suis d'abord son ennemi. Amen. 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 Je ne veux pas parler de celui qui avait écrit. Mais toi aussi tu le sais. Au lieu de mener la vie qu'il faut, tu veux vivre avec moi alors qu'on n'a pas la vie qui se ressemble, alors va là où tu as ta vie. Il faut que la poule vive avec les autres, que le rat vive avec les rats, et que les chrétiens vivent avec les chrétiens. Amen. Parce que être prédicateur, ce n'est pas se tenir ici et prêcher. Ici, c'est parler. Je peux être éloquent. Je lis la Bible, je capte tout, je dis. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas bricoler. C'est quoi? La vie. Amen. 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 Vous pasteur ni maïcha. Être pasteur, c'est la vie. Être prédicateur, c'est la vie. La prostitution, c'est la vie. Quand on parle du prostitution, qu'elle ressemble à l'autre, elle peut être ici. Le sorcier, c'est la vie aussi. Votre vie est indigne. Je suis un maïcha comme Christ. Parce que le message arrive aujourd'hui, frères et sœurs, il n'est plus temps de prêcher avec les paroles. Mais il faut que ma vie prêche. Il faut qu'elle fasse quoi? Elle doit prêcher. Amen. C'est ça la prédication que j'ai commencé à donner à Gisenyi. Et je vais encore rentrer là-bas. Vous étiez là, vous, frère Elisha. Vous étiez là. Et je leur ai dit, je reviendrai. Satan m'a terrassé là-bas, j'étais au point de mourir, frère. J'étais tombé à cause du cœur. Mais quand je suis tombé, 8 personnes sont levées et ont été baptisées. Et j'ai dit, ça c'est Satan. Mais je vais encore rentrer là-bas. Pourquoi les combats? Combien m'écoutent? Moi, on ne m'avait pas donné le pastorat. Que Dieu pardonne, frère Franck. Frère Franck avait dit, moi je serai seulement prédicateur, mais pour établir l'ordre dans les églises. En tout cas, pardonnez-moi. Je n'établirai pas de l'ordre dans l'église. Vous voulez que tu Nous voulons que tu
Alors que toi qui m'as appelé, c'est toi qui t'es devenu pasteur. Mais vous prêchez, ça, ça n'a pas été. Celui qui vient prêcher, il commence à prêcher. Le pasteur doit être ici, le pasteur doit être cela. Il doit être ceci. Le pasteur doit être cela. Et quand il m'ouvre, déjà commence à voir. Nous voyons maintenant celui qui doit être ses services. Ah, regardez encore. Pourquoi tu l'as appelé? Tu l'as appelé pour contrôler les conducteurs. Et le conducteur avec l'amitié, c'est avec les écritures. C'est la vie. Amen. Excusez-moi, je vis à Biaï. Na ukifika kwangu hautakuta nani kwa sawa mkuyakuya utazania niko wa zamani. Et si tu arrives chez moi, tu ne vas pas me trouver comme un revenant. Je suis un ancien là-bas. Sasa ni nani mwenye atakuwa pasteur wa Biaï? Na qui sera pasteur de Biaï? Iko mie tu. Ah, c'est seulement moi. Ni Mbarushimana, je suis Mbarushimana parce que j'ai vécu avec Bulumba. Ananiua, il me connaît. Quand même atanipo pasteur. Quand même il va me donner le pastorat. Tu te trompes. Unajidanganya. Habapanage kazi ya Mungu sababu ya burafiki. On ne confie pas le l'amitié, mais on voit quoi? La vie. Hein? Amen. Nanyi muko mnasikiliza? Est-ce que vous aussi vous écoutez? Maisha yako yanastahili uwe diakoni? Est-ce que ta vie te rend digne d'être diacre? Maisha yako inastahili uwe ministre? Est-ce que ta vie permet que tu sois ministre? Sababu Mungu ni Mungu. Parce que Dieu reste Dieu. Ni nani anaweza kufanya commerce? Qui est-ce qui peut faire les commerces? Anakuwa patron mkubwa hapa Goma. Il y a un grand patron ici à Goma. Anatafanya commerce ya kuzisha manyama hapa. Il va vendre la viande ici. Na Kinshasa. Et même à Kinshasa. Anachagua simba. Et il choisit maintenant un lion. Ya njita kuina chuna. C'est ça, le lion qui va commencer maintenant à découper la viande. Hivi mimi natafanya commerce ya manyama. Le commerce de viande. Hapa Goma. Ici à Goma. Simba. Monsieur le lion. Parce qu'on sera en train de craindre. C'est lui qui va commencer à égorger mes vaches et mes chèvres. Fisi. Maintenant, les liens. C'est lui qui va les faire circuler dans les quartiers. Ça, c'est bon, franga, c'est quoi, mingi. Et comme il y aura beaucoup d'argent. Ye, panya, monsieur le rat. C'est lui qui va s'asseoir maintenant à la caisse. Est-ce qu'il tombe sur la gagner? Léonard, où est-ce que ce monsieur va gagner? Quand tu veux faire un travail, tu sais, tout, ne vois pas seulement les frères. Oh, Nico, na kazi yangu, boutique, ceci, cela. Angalia nini? Vois quoi? La vie. Oui, dis à la frère. Mettez les frères, oui. N'utilisez pas les païens. Mais voyez aussi quoi? La vie. Amen. Votre vie, maisha yako, je inastahili? Est-ce que maisha yako inastahili kukua mchuuzi? Est-ce que votre vie mérite que tu sois commerçant? Votre vie, maisha yako. Wangapi wanasema amen? Combien disent amen? Munasema amen huyu mchuruzi atie simba njo iku na dit amen que ces commerçants maintenant fassent du lion. Unayo njo inaweza kujua kufanya sécurité? C'est le lieu qui va maintenant faire la sécurité, non. Pourquoi est-ce que vous refusez le lion? La vie. La vie. Ça, sa fille, c'est quoi un chauffeur? Lien ne peut pas devenir aussi le chauffeur. Lui aussi, vous le refusez. Pourquoi? À cause de la vie. Ça, ça ne pas que c'est le rat qui sera à la caisse. Est-ce que l'argent va arriver à la caisse? Votre vie est digne. Je maisha yako inastahili. Nikuulize na mimi nijiulize. Je me pose cette question, tu dois la poser. Pour terminer. Na kwa kumaliza. Parce que tutaendelea dimanche. Parce qu'on va continuer le dimanche. Amen. 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 Oh Jésus Christ. Oh Jésus Christ. Nisaidi. Aide-moi. Qui est-ce qui peut dire que Dieu l'aide? Toi, tu sais là où tu passes ta journée. L'heure est arrivée. Ne fatiguez pas les serviteurs, les prédicateurs. Mais nous aussi, notre vie, que ce soit la prédication.
C'est pourquoi vous écoutez Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, moi, je vais te le donner. Paul dit, c'est Jésus. Jésus. Mandiko. Consultez les Écritures. Chenye inasema. Ce que les Écritures disent de Jouyang. Moi. Ce que les Écritures disent de na moi. Et voyez ce que mouone je fais. Voyez ce que je fais. Et voyez aussi les Écritures. Paul continue, il dit. Imitez-moi. Comme moi aussi j'imite Christ. Qui est ce prédicateur aujourd'hui qui peut se tenir ici? Ici Dieu la chair. Et qu'il dise imitez-moi. Des trucs que tu ne fais pas payer. Ma semiako. Ton langage, tes paroles. Wewe unakuaga na Yesu. Pierre, toi tu étais avec Jésus. Nous t'avons vu là à Corinthe. Moi. Vraiment. En tout cas. On est bien. Regarde très bien. Oh, ça m'aime bien regarder. Je le dis parce que je suis en train de te voir. Non. Oh. Examine. L'autre qui dit, bon, c'est un petit problème ça. Yes, ok, on frappe Jésus. L'autre qui dit, Amen. Oh Jésus. Pierre qui dit, oh Jésus. Si tu avais accepté, j'aurais déjà fini avec ces problèmes. Mais cet homme ici, observez-le très bien. C'est suspect. Mais toi avec l'autre là. Vraiment. Akiamung. Vraiment. Vraiment. Et l'autre qui vient. Nous écoutons en train de trop parler de toi. Voilà, alors qu'on l'approche. Le fouet qu'on lui tapait dessus était différent d'autres fouets. Parce que là, vers la fin, il y avait des fers. Et quand on frappe, il y a une ça pénètre et ça retire la chair. Jésus dit, le sang coule. Et quand le sang coule, les gens se disent, ok, allez frapper un peu. Pierre qui dit, oh Jésus, mais ton langage toi. Marahia huku na kasara. Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est langage ici? Il langage. C'est langage ici. Mais qui va quoi c'est ma amen à quoi ça c'est pas oh. Ma semi yetu. Notre langage. Ça doit être aussi différent. Amen. Ma semi yako. Votre langage. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Maisha yako David hayashuhudiwe tu juu ulibatiziwa. On a remporté mon nom parce que c'est moi qui ai été baptisé, mais aussi notre langage na maisha. Et la vie. Sababu sazi maisha. Parce que le temps est accompli. Tukimbie tuone. Allons-y rapidement pour voir. Frère Branham anasema. Frère Branham ce qu'il dit. Ndani ya kitabu ya Yohane. Dans le livre de Jean. Pale kwenye mnajua. Là où vous connaissez. Jean chapitre 4, verset 39. Tunafika kwa ule mwanamke msharati wa Samaria. Frère Branham anasema. Frère Branham dit. Assemblée ya Samarie. Que l'assemblée de Samarie. Ilianza kumaisha. Elle a commencé avec la vie. Ya mutu. La vie d'une personne. Et c'est comme ça que ta vie est la mienne. À l'heure où nous arrivons, nous devons nous efforcer pour que nous puissions voir si notre vie peut aussi rendre témoignage de la parole. Combien ont besoin de cela? Et Jésus dit à cette femme, donne-moi de l'eau. La femme qui dit l'eau. Si vigumu kukupatia maji. Ce n'est pas difficile de donner de l'eau. Lakini tabia yenu. Mais votre habitude là, votre caractère là, vous les frères, munapendaka kuzarau watu wengine. Vous aimez mépriser les autres.
Et Jésus qui dit, si tu avais reconnu les dons na de Dieu na kuomba, et que tu saches qui se demande de l'eau, ni nani, l'eau c'est qui? Ungemupa, tu lui aurais donné na we unamuomba maji ya uzima. Et toi tu lui aurais demandé de l'eau, l'eau de la vie. Et cette femme qui dit donc toi tu as l'eau de la vie. Donne-moi de cette eau. Et afin que je ne rentre plus ici. D'ailleurs, j'ai une question. Tu es plus que notre père Abraham. Jacob. Et tous les autres prophètes. N'est-ce pas que tous puissent ici? Et Jésus lui dit, avant que cela soit, je suis. Ma vie est différente de celle de maman. Ne me vois pas comme ces gens-là, parce que ma vie est différente de celle d'Abraham, celle de Moïse, celle d'Élie, celle d'Élisée, celle de Jean. Tout cela les gens avant que soit la parole était. Amen. Donne-moi alors de l'eau. Alors, je vois qu'elle lui avait déjà donné de l'eau. Ok, je t'ai déjà donné de l'eau, donne-moi ce mot de vie. Quand j'aurai cette eau, alors on dit que j'ai déjà pris les hommes, hein? Alors que je n'ai pas encore l'eau de la vie, je l'ai pris seulement l'eau ordinaire, l'eau du lac. Mais avec l'eau du lac, vous voyez comment cette femme, elle était sociale. Hein? Avec l'eau du lac, elle a eu 6 hommes. 5 hommes d'abord. Et l'autre, elle l'avait laissé là dans la maison. Elle prépare la nourriture avec cette eau. Elle les lave avec cette eau. Et le monsieur abandonne chez lui, il quitte chez lui. Vous pensez que c'est toute femme qui peut réussir la prostitution? C'est aussi un don. Mais comment vous riez? Ça aussi c'est un don. Pour que tu fasses quitter un monsieur de chez lui et que tu l'amènes chez toi. C'est aussi un don. Il faut rire, se réjouir, approcher. Toi, non, c'est comme ça. Il voit que là, au niveau de la poche, ça gonfle. Elle va t'amener jusqu'à ce qu'il puisse toucher dans cette poche. Combien d'hommes? 5 hommes. Et le sixième? Cette femme a dit, maintenant, si je trouve l'eau de la vie, en tout cas, tous les pasteurs, tous les ministres, je vais les terrasser ici. Et je dis maintenant, ok, oui, c'est prêt. Amène ton mari. N'est-ce pas que vous savez l'histoire? Combien savent l'histoire? Mais la parole de Dieu, il faut toujours la répéter. Amène ton mari. Que je te donne l'eau de la vie. Et la femme se demanda. N'est-ce pas que le fait de manquer un mari, ça me fait rater ces choses? Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut me venir ici aujourd'hui pour me représenter? Mais celui que j'ai laissé à la maison, il se cache. Parce que le postulat ne se montre pas. Il va dans les hôtels jusqu'à Moadou, dans les coins. Mais un jour, on va t'attraper. Un jour on te fera quoi? On t'attrapera. Est-elle aussi? Bon, ok, laisse-moi dire la vérité. Je n'ai pas de mari. Jésus qui dit, tu as dit la vérité. Ici maintenant, maman. Vraiment. Vraiment.
L'eau, je vais te la donner. Parce que tu as commencé à dire quoi? La vérité. Ce qui nous est difficile aujourd'hui dans ce message, c'est de dire la vérité. Pasteur, tu es prédicateur, tu es prédicateur, mais dire la vérité, c'est devenu difficile pour toi. Faut pas parler en indépendant. L'enfant de Dieu dit les choses telles qu'elles sont. N'est pas dire la vérité. Frère Branham dit, vous savez ce qui a tué Ananias et Saphira? C'est parce qu'ils n'ont pas dit Anani. La vérité. Ananias. Présent. Ce champ-là, c'est à ce point que vous l'avez payé, mais nous voyons un petit sac à côté. Donc ce champ-là, vous avez trouvé des clients pour ça? Oui, vraiment, les clients, on les a trouvés. Et voici l'argent suivi avec. Est-ce que c'est tout l'argent complet? Il nous reste encore quelque chose. Est-ce que tu as donné le cash ou tu as donné ça à crédit? Ni cash. C'est à cash. Ça. Est-ce que tu as apporté tout l'argent? Frère, pasteur, il m'a question. C'est une question, pasteur. Tu ne sais pas ce que dans notre église, il faut apporter tout l'argent. Si dans notre église, on ne boit pas, si on ne se prostitue pas. Mais il faut que toi, tu dises la vérité. Tu ne trompes pas un homme. Mais tu as trompé Dieu. Et il est mort. Sa femme, après avoir enterré le mari, la femme aussi vient. Tout le monde dit, oh Jésus. Aide-moi, qu'on ne me demande pas non plus. Et si on me demande aussi, que je dise la vérité. Combien sont d'accord avec moi? Votre vie est indigne. C'est une question. Alors répondez. Ça m'a dit bien. Aussi ni jibu mi en barushima. Ne me réponds pas. Mais réponds, Seigneur Dieu. Parce que tu connais ta vie et moi je connais ma vie. Saphira. Ok, tu n'as pas Biblia. Oui, nous voyons la femme de Anania Amekuya Amengia. Elle est entrée sœur. Présente. Et viens ici. Mais ce champ-là, vous avez trouvé le frère, notre personne a saigné. Il faut qu'ils disent, oh Seigneur, qu'ils disent la vérité. C'était ça la prière de Dieu. Parce que il connaissait le secret, mais la sœur était venue après l'enterrement de son mari. Et les diacres de l'époque aussi étaient sévères. Le retard de ce jour-là, on ne demandait pas. Saphira. Présente pasteur. Est-ce que Izzy Franga Njosa, oui, c'est ça. À la maison, il restait pas autre chose. Mais dis la vérité, pasteur. Si on se fait dire, moi, mon je l'ai vendu à 10 000 dollars. Je sais que les gens ont fait des choses. Qui jure aujourd'hui de dire la vérité? Dis la vérité de ta vie. Parce que le premier chrétien, le premier signe qui fait ressembler à la parole et avoir la vie de la parole, c'est dire la vérité de ton cœur. Amen. On vient à peine de ton mari. Mon mari est mort. Toi aussi, on t'amène. Et c'était fini. Mes frères et sœurs. Le prophète de l'âge dit, la vie de cette prostituée, elle est rentrée à la maison. Tout le monde
Tout le monde l'a suivi. Maman, unakuya. Maman, unakuya. Tu viens, tu viens. Anasema, ni me dit non, j'y suis arrivé. Mais kule kumaj. Mais là au moindre kuona mwenye ameniambia. Allez voir celui qui m'a dit. Yenye nilifanya. Ce que j'avais fait. Na ule mwanaume alimfikia. Et c'est allô, qui était allô, auprès d'elle. Lève-toi. Mais comment tu as traîné là-bas? Mais tu ne savais pas que tu ne devais pas aller au service. Mais il est quelle heure maintenant? Mais aussi passer la nuit dans la maison des prostituées, c'est fait. Hein? Mais tu savais pas que tu devais aller au service. Même si j'ai fait ça, mais quand même, j'ai fait ma porte et de l'eau rapidement. Tu vas aller là-bas et tu traînes. Mais parle lentement, on connaît bien ton histoire. Mais qui est-ce qui le sait? Mais j'ai rencontré Jésus. Va voir l'homme, c'est Jésus. Tu as rencontré l'homme. Ce n'est pas un homme comme toi. Là au puits, Jésus est là. La Bible dit qu'elle est descendue avec beaucoup d'hommes. Leur disant, venez voir. Et les mamans aussi sont venues. À cause d'une grande jalousie, mais cette femme, elle va terminer nos maris. Et maintenant, elle a amené tous les hommes. Les disciples sont venus et ont dit, mais Jésus, voici la nourriture, mangeons. Et Jésus qui dit, mais vous, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais qui est-ce qui est resté à lui donner la nourriture? Jésus a dit, voici le champ. Le champ est maintenant la maturité. Il y a beaucoup de moissons, mais il y a peu de serviteurs. Voici la moisson qui arrive. Cette moisson, c'était cette femme. La vie de cette femme, elle a fait amener les hommes. Et quand ils sont arrivés au bout, Jésus s'est élevé. Il a touché aux yeux des aveugles. Il a dit, toi, tu as vu. Touche les malades. Toi aussi, tu es guéri. Ceux qui ont des dos répressés, ils sont guéris. Alors, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette maman qui était debout disant, bon, ok, on va maintenant leur faire boire. Et si je suis s'est tourné vers toi, maman. Toi, maman. Vraiment. En tout cas. Tu as bien fait de nous amener ici. Alors, il y a eu beaucoup de frères. Il y a eu beaucoup de sœurs. Alors, l'assemblée a commencé. Les hommes intelligents, les hommes ont dit, non, non. Cette femme risquerait un jour de se tourner contre nous. Elle dira que c'est elle qui nous avait prêché. Disons-le lui avant qu'il, pendant qu'il est encore temps. Ils sont tournés vers elle. Et Maman. Mais il ne faut pas le dire que c'est parce que tu nous avais appelé. Bien. Tu as bien fait. Mais c'est parce que nous sommes arrivés et nous avons vu, nous avons écouté nous-mêmes et nous avons reconnu que celui-ci, c'est le Fils de Dieu très haut. N'ose pas te vanter pour nous dire que tu avais fait connaître le message. Et ces gens-là s'étaient tournés. Ils ont dit à Jésus, mais pardonne-nous. Contamine aussi à Samarie. J'ai dit, mais donc vous voulez papa. Cette maman a dit, papa, mais permettez que vous alliez aussi chez nous. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mon cherati. La prostituée. Elle est allée au puits étant prostituée. Elle est montée. Elle est rentrée chrétienne. La vie de la prostitution avait déjà atteint 6 hommes. La vie chrétienne, ok, elle a embrassé toute la Samarie. Ok, battez les mains pour le Seigneur. Votre vie est digne. Maïcha yako jina stahili. Amen. Parle quel? Lâchez-vous. J'oublie. Pose-toi la question. Et que moi, si je me pose la question, parce que
Parce que si maintenant nous sommes nombreux, Kiwanja ni wengi. À Kiwanja aussi il y a beaucoup de personnes. Rwanda wa Kristo ni wengi. Au Rwanda il y a beaucoup de chrétiens. États-Unis wamekuwa. Aux États-Unis il y en a aussi. Ufansa wamekuwa. En France aussi il y en a. Mungu kama alitumia maisha ya mtu mmoja. Si Dieu a utilisé la vie d'une seule personne. Samaria ikaokolewa. Et que toute la Samarie était sauvée. Temu ka inayala. Maintenant temu ka est plein. Kiwanja inayala. À Kiwanja c'est plein. Rwanda inayala. Au Rwanda c'est plein. J'ai. Est-ce que maisha yetu notre vie yana fanana ne? Est-elle digne de la parole? Kwa heri. Tutaonana siku ya Mungu. On se revoit le dimanche. Taimba vipande mbili au tatu ya hii wimbo. Nous allons chanter deux ou trois couplets de ce cantique. Kisha tunasogelea Bwana. Et puis nous allons nous approcher du Seigneur. 229. 229. Nyimbo zilizo changiwa. Cantique sélectionné. J'ai entendu le cri du jubilé. J'ai décidé de tout abandonner et libéré des tourments du péché. Je ne puis rien d'autre que celle souci, Seigneur, mon souci est de comme Jésus. Mon souci, mon seul souci, Seigneur, mon souci. Que si je perds de tout, j'aurais acquis la vie de mon Dieu. Mon souci, mon seul souci, Seigneur. Mettons-nous debout avec le troisième couplet. Si par des fois toute la nuit du gras pris d'insomnie j'ai médité tes lois, s'il faut veiller, s'il faut des fois gêner, ce n'est plus rien d'autre dans cette vie. Mon souci, mon souci, mon seul souci.
quand nous clôturons les cultes. Et nous avons la sœur Esther qui est hospitalisée à Birere. Karibu na kwandugu Rifa. Tout près de chez frère Rifa. Mungu baba yetu. Dieu notre Père. Tunakushukuru kwa neno tumesikia magharibi ya leo. Remercions pour la parole que nous venons d'entendre ce soir. Na tunakulomba nehema baba. Et nous te prions la grâce Père. Tusiwe tu wenye kusikia. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs, des auditeurs. Bali tu wenye ku watendaji wa neno. Nous puissions être les gens qui pratiquent la parole. Nani ombi letu baba la kila siku. Et c'est ça la prière, notre prière de chaque jour. Maisha yetu na neno lako. Que notre vie avec ta parole. Kuwa kitu kimoja. Devenir une même chose. Maisha yetu. Notre vie. Ionekane kupitia neno. Être visible au travers de la parole. Na neno lionekane kupitia maisha yetu. Et que la parole soit visible au travers de notre vie. Tufikie kiwango hakuna mtu anaweza tena kutushota kidole. Nous arrivions à un niveau où personne ne peut plus nous pointer des doigts. Kwenye adui amewekwa chini ya miguu yetu. L'ennemi est placé sous nos pieds. Na useme. Et que tu dises. Ile neno ulisema hapo Yordani. La même phrase que tu as dit là. Juu ya mwana wako Yesu. Pour ton fils Jésus-Christ. Useme pia kuhusu maisha yetu. Et hawa ni wana wangu wapendwa ambao ninapendezwa nao. En qui je tire mon bon plaisir. Tujalie neema hiyo baba. Accorde-nous cette grâce Père. Bila wewe hatuwezi lolote. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais pamoja na wewe. Avec toi. Tunaweza yote. Nous pouvons tout. Juu ndio unatutia nguvu. Parce que c'est toi qui nous fortifie. Bariki taifa lako baba. Bénis ton peuple Père. Bariki chombo metumikisha. Bénis le vase que tu as utilisé. Uzidishe tena nguvu ndani yake. Encore une fois la force dans lui. Na upako. Et l'onction. Usudi tena siku ya enga. Afin que le dimanche. Tupate tena kulishwa. Nous puissions encore être nourris. Bariki wale wote wenye kutufuata ku internet. Bénis tous ceux-là qui nous suivent via internet. Uwabariki pamoja nasi. Bénis-les ensemble avec nous. Na kila itaji yote ndani ya mioyo ya watoto yako. Chaque requête dans le cœur de tes enfants. Iwe ya kiroho iwe ya kimwili. Que ce soit spirituel ou charnel. Nyosha mkono ya msaada mwako. Et la main de l'aide de soutien. Asante baba. Merci père. Tunakuonyesha pia dada mwenye kupatikana hospitali. Tunakuonyesha aussi la sœur qui se trouve à l'hôpital. Mtumishi wako ndugu yetu Kabanza. Ton serviteur notre frère Kabanza. Tunaendelea kumtia kwa mikono yako. Tu vas le remettre entre tes mains. Mungu mshimamishe. Tumuone anashimama tena mahali hapa. Voir se tenir debout encore une fois. Tuletee neno la Mungu. Nous apporter la parole de Dieu. Bariki baada ya maombi ya usiku. Bénis les cultes de la prière de la nuit. Na tunapoondoka hapa. Et quand nous sortons d'ici. Ondoka na kila mmoja wetu. Sors avec tout un chacun de nous. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Twende na salama ya Bwana. Partons avec la paix du Seigneur.